They say that I'm on the road. Maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. Find me out here on my own. But I'm in love with you, home. You keep picking up the phone. They say like you're colder than stone. Till you blowing up my phone. On the road. Maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. Find me out here on my own. Keep blowing up my phone. Maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. On my own. They say that I'm on the road. Bonjour et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau reportage où on ne va pas faire 1300 km, mais plutôt 500 km. Mais bien sûr, je ne vais pas juste vous mettre les vidéos comme ça, comme une grosse merde. Il y a bien sûr un sujet à ça, et on va parler du TGV le plus vieux encore en service. Un TGV qui a énormément marqué mon enfance. Je parle bien sûr du TGV Atlantique. Parlons de la partie voyage. Je vais effectuer un Bordeaux-Paris et bien sûr ce n'est pas un train direct. On va passer dans certaines gares que je qualifie de merdiques, telles que Libourne et Libourne. J'ai pris le train numéro 84-86 au départ de Bordeaux-Saint-Jean à 10h17. Et il est temps d'embarquer et tellement je suis un ferrovipaté nostalgique que je suis monté alors qu'il y avait personne. Appréciez ces jolis plans. Bon, il est temps de parler de notre superbe emplacement, où on va être posé pendant 3h17. On est posé sur un siège confortable, avec un repose-pied, hein. Prends en note TGV Océan. Un porte-gobelet, une prise qui ne prend pas mon PC portable, une poubelle personnelle, encore une fois, prends en note le TGV Océan, et enfin un mécanisme permettant de pouvoir mettre son siège en mode couché, pour passer vos meilleures siestes avec une belle vue, même si celui des TGV Réseau marche beaucoup mieux, hein. Bon, en vrai, il n'y a pas que le mécanisme du siège qui ne marche plus, on a aussi la tablette qui claque bien ses grands morts. Revenons à l'histoire du TGV Atlantique. Après l'ouverture de la LGV PSE, la SNCF travaille sur une nouvelle ligne à grande vitesse, qui ne serait pas exploitée à 270 km/h, mais 300, pour relier des grandes villes telles que Bordeaux, Rennes, Nantes, Tours et même Poitiers. Du coup, ils ont dû concevoir un train qui serait apte à rouler à 300 km/h et qui n'est pas une BB22-200 modifiée pour la grande vitesse. Du coup, le TGV Atlantique est né. Il est composé de 10 caisses et 2 motrices, faisant un train plutôt long. Mais ce TGV avait une particularité, maintenant devenu un endroit de seconde classe, je parle bien sûr de la salle de conférence, pour ces superbes hommes d'affaires prenant le TGV. Bon, depuis la rénovation Lacroix, on n'a plus ça. Mais une autre chose qui existe encore dans le TGV Atlantique, et qui est only dans le TGV Atlantique, oui on dirait Actualia, ce sont bien sûr les compartiments, arborant un style corail, très bien pour bosser tranquillement ou prendre l'apéro avec ses collègues de travail. Enfin bref, après ces explications noob, débiles et tout ce que vous voulez, on va repasser dans notre superbe trajet entre Bordeaux et Paris. Et il est temps de prendre la ligne de Bordeaux Saint-Jean à Paris-Austerlitz, ce que je disais dans mon reportage numéro 3, qui permet d'être emprunté à 220 km/h sur certains axes, cassant énormément les temps de trajet. Et bon, je l'ai déjà dit, mais on dessert en premier la gare de Libourne, une gare tellement pourrie qu'elle mérite pas notre attention, mais passons plutôt à la gare suivante, qui est celle d'Angoulême, et on va s'y attarder un peu plus. La gare d'Angoulême arbore un style assez particulier. En effet, on le sait très bien, Angoulême est un peu la ville de la BD. Et du coup, la gare, à certains endroits, a énormément de références à la BD, telles que cette jolie statue, des dessins de Boulet Bill, Lucky Luke, le chat de Gueluc, et d'autres BD dont j'ignore le nom, un beau banc avec une représentation de crayons de couleur, et un superbe infogare qui va nous permettre de parler des dessertes. Bon, en gros, on peut aller sur les gares de la ligne jusqu'à Châtellerault, on peut aller à Royan, on peut aller aussi à La Rochelle, à des grandes villes comme Toulouse et Paris, et enfin des gares très internationales telles que Strasbourg ou Tourcoing. Il est déjà temps de repartir pour atteindre la prochaine gare desservie, Poitiers. Et il est temps de quitter la Bordeaux-Austerlitz. En effet, oui, on va passer en LGV pendant un très court instant, ce qui nous permet de gratter un peu de temps et du coup proposer seulement 3h17 de trajet, contre un peu plus de 5h avant 2017. Merci à la LGV Sud-Europe Atlantique, ou pas trop avec vos TGV Océan merdiques. Enfin bref, on arrive à Poitiers, gare que j'aime plutôt bien, et on va se raccorder à la rame de La Rochelle.
Rochelle. Mais bon, au lieu de rester 5 minutes, on en est resté 30. Et oui, nos bons vieux TGV Atlantique sont vieillissants. C'est bien de faire une réno des sièges, mais bon, faudrait aussi s'occuper du moteur si on ne veut pas de soucis de ce genre. Enfin bref, il est temps de parler d'où circule le TGV Atlantique. Vous pouvez retrouver des TGV Atlantique sur des Bordeaux-Paris, des Poitiers-Paris, des La Rochelle-Paris, des Quimper-Paris, des Tours-Paris, des Nantes-Paris, des Saint-Malo-Paris. Et oui, ça fait beaucoup. Mais avant 2017, il y avait pratiquement partout sur la façade atlantique, comme des Irun-Paris, Hendaye-Paris, Tarbes-Paris, et pour finir, Toulouse-Paris. Bon, en vrai, je mens un peu, on peut encore voir quelques TGV Atlantique sur des Lourdes-Paris lors de la saison des pèlerins. Comme on est sur un direct entre Poitiers-Paris, on va directement emprunter la LGV Sud-Europe Atlantique, ouvert en 2017, qui a permis d'enlever plus de 2 heures au temps de parcours initial. Et après avoir passé tour, il est temps maintenant d'aller sur la LGV Atlantique de 1988 et de parler d'un assez gros fiasco. En effet, dans le schéma initial, il ne l'était pas mentionné, vu que la ligne devait passer vers Blois. Mais suite à l'opposition de la ville de Blois et des agriculteurs, la SNCF a dû trouver un tracé alternatif. C'est là que la ville de Vendôme négocie à la SNCF une gare TGV flambant neuve. Et étant donné qu'on ne parlera pas de la gare TER qui est un petit peu pourrie, cette gare est placée au milieu de nulle part à 4 km de la ville de Vendôme. Et les résultats n'étaient pas ceux espérés. En même temps aussi, tu sais, hein, c'est un endroit totalement paumé. Si on regarde une autre gare TGV que j'ai déjà visitée, qui est bien sûr la gare de Champagne Ardennes TGV, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et pour la gare de Champagne Ardennes TGV, on va faire un petit reportage. Alors voici les mini-reportages de Rafi. All my fellas. All my fellas. All my fellas. Alors la gare de Champagne-Ardennes TGV est une gare TGV placée dans la ville de Besançon, vraiment proche de Reims. Elle est desservie par deux lignes de bus, le tram B de la ville de Reims, et on a une navette en AGC assez sympa. Plus sérieusement, ce qui manque à la gare de Vendôme TGV est réellement une desserte de transport en commun régulière, et aussi d'une ville développée, qui va aller vivre dans une ville de 17 000 habitants ? Des navetteurs. Avis personnel, il aurait été plus intéressant de faire une gare TGV proche par exemple de Châtellerault, où certaines gares sont peu desservies à cause de multiples passages de trains. Châtellerault est aussi une ville extrêmement plus développée que Vendôme. Niveau du trajet, on arrive à Paris-Montparnasse à l'heure. J'ai bien aimé ce trajet où la vibe de ma jeunesse est très vite revenue, mais bon, ce n'est qu'un avis personnel. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, on pourrait me dire que j'ai pas parlé de tout sur le TGV Atlantique, car en réalité, il y a des personnes qui expliquent mieux que moi le TGV Atlantique. Je mettrai des liens en description. Bah oui, parce que je suis juste un mec trop nostalgique. On va me demander, mais comment je vais faire pour sortir trois nouveaux reportages en même pas un mois? La raison est très simple, vous les avez eus dans cette vidéo. J'avais énormément de sujets de reportage, dont 3 qui étaient prêts à sortir. Mais bon, j'ai préféré tout combiner dans une seule vidéo. Du coup, oui, c'est le dernier reportage de 2023. Je ferai une vidéo dédiée à ce qu'il y aura en 2024. Elle sortira dans le mois après que je me serai reposé de l'élaboration de ce reportage qui est assez long, étant donné qu'il m'a pris 1 an à réaliser. Quant à moi, il est l'heure de vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !